Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube, puisque aujourd'hui je vais vous présenter deux miniatures achetées chez Jouet Club. Alors pour cette vidéo, on aura un véhicule à l'échelle 1,43 de chez Nos Rêves et on aura bien sûr un véhicule à l'échelle 1,24 de chez Burago. Donc le véhicule 1,43, ça sera le Renault Austral Esprit Alpine dans les couleurs rouge flamme. Et le véhicule 1,24, ça sera donc un Land Rover Defender 110 de 2022. Donc voilà les amis, je sors toute ça des boîtes et on se retrouve tout de suite sur la table pour voir tout ça en détail. C'est parti! Donc voilà les amis, on est sur la table et on va passer tout de suite avec la première miniature qui est donc le Renault Austral E-Tech Esprit Alpine dans sa version rouge flamme. Alors si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais déjà présenté un Austral, mais en 1,64, c'était celui-ci. Donc là maintenant ça va nous changer hein, puisque on a la version 1,43 qui est donc ici. Et regardez ça, déjà la calandre comment qu'elle est très très bien faite. Je vous mettrai un vrai Renault Austral à côté hein, pour que vous puissiez vous rendre compte. Il est vraiment magnifique, hein, les détails sont bien faits. Les roues sont parfaitement bien faites, bon même si je les trouve un peu fines, mais il reste incroyable. Ici on a le petit logo Esprit Alpine, c'est un détail qui fait la différence. Ensuite, on a l'arrière qui est quand même relativement bien fait. On va pas se mentir avec le nouveau logo Renault. Bien sûr, on a l'autre côté. Donc là, on a encore le logo Esprit Alpine. Et bien sûr, ces feux hein, qui sont super bien faits aussi. Qui reprennent justement la signature en forme de C. C'est maîtrisé. Et à l'arrière, si vous regardez, on a le petit E en bleu comme pour dire Esprit Alpine. Donc ça, franchement, c'est très très bien fait. Ensuite, il y a écrit Renault Austral ici. Donc ça, c'est super. Il est incroyable. Et pour cette deuxième miniature, et excusez-moi pour les chiens qui crient, hein, c'est ceux des voisins, c'est indépendamment de ma volonté. Donc pour cette deuxième miniature, on va voir le Land Rover Defender de 2022. On avait déjà vu hein, celui de Majorette, qui est ici, qu'on connaît tous. On avait déjà vu celui de CQ aussi, qui est là et qu'on connaît tous. Et là maintenant on va voir celui de Burago en échelle 1,24 et regardez ça comment il est incroyable, il est super bien fait, les feux sont rapportés, il y a tous les logos dessus, les grilles d'aération, il est incroyable, on voit même les plaquettes de frein, les roues qui sont très bien faites, à l'intérieur c'est fait aussi, d'ailleurs en parlant de ça, il a des ouvrants. On a le petit logo Land Rover ici. À l'arrière, bah, c'est écrit Defender, Land Rover et bien sûr la petite plaque anglaise. Hein, forcément, avec la petite roue de secours. Et de l'autre côté, bah, c'est exactement pareil. Et on remarquera que les feux, regardez, ils ont fait une imitation miroir dessus, hein, sur les rétros. Le dessus, on peut voir l'intérieur, la petite antenne qui est faite. Et bien sûr, le dessous qui est détaillé. Et ça, franchement, c'est incroyable. Donc, merci Burago pour cette miniature. On a les roues qui sont directionnelles aussi. Et il y a de la suspension. C'est juste génial. Donc, voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis, tchuss!